coming back. On se retrouve sur le stand de Capcom, cette fois-ci pour vous parler sans doute de Resident Evil 2, le remake. Regardez, on est juste devant une voiture de police complètement fracassée et à l'intérieur se trouve un zombie. On va d'ailleurs aller faire quelques photos tout à l'heure, mais pour l'heure, on est là pour vous parler du jeu. Lorly a pu le voir, tu y as joué ou pas? J'ai joué 20 minutes seulement malheureusement, mais bon. C'est déjà pas mal. J'y ai joué quand même. C'est déjà pas mal. Endzone, un Endzone sur Resident Evil, le remake. Alors dis-nous, est-ce que ça change véritablement? Est-ce que c'est vraiment une refonte totale du jeu? Est-ce qu'on a l'impression que c'est un nouveau jeu? Alors tu vois, tu disais que Shadow of the Colossus est un super remake. Et ben, j'ai envie de te dire la même chose pour ce Resident 2. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, les développeurs ne voulaient pas faire une copie de la version originale avec de meilleurs graphismes. C'est vrai que c'est une claque visuelle énorme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas pu jouer avec Claire Redfield, qui est le deuxième personnage jouable dans le jeu. J'ai joué qu'avec, on va dire quoi, Léon, c'est comme tu veux, je te dis. Léon S. Kennedy. Voilà, Léon S. Kennedy, la modélisation superbe, mais quand tu rentres dans le commissariat, en fait, c'est le niveau que j'ai pu explorer, c'est un truc de malade mental. T'as des détails partout, Attends, je t'arrête, tu me dis que c'est super beau, mais c'est beau, mais comment c'est beau? C'est beau comme un God of War, c'est beau comme un Resident Evil 7, c'est beau comme quoi? Comme un Cyberpunk qu'on a vu hier, c'est beau comment? Parce que tu me dis que c'est un nouveau moteur, c'est... Allez. God of War, on est en dessous de God of War, mais ça claque quand même, quoi. C'est un truc de malade, faut vraiment que tu vois, c'est un truc de dingue. Je vais le voir. Moi, ce qui m'a rendu fou, c'est au niveau de l'éclairage. Alors, ce qui était vraiment marrant, c'est que je suis bien évidemment tombé sur les premiers zombies, donc, ils sont super bien faits, avec une dégaine, tu sais, de mort-vivant, enfin, c'était super, avec la peau qui pourrisse, c'est super bien fait. J'ai voulu les esquiver à l'ancienne, toi, parce que bien évidemment, faut que tu économises le maximum de munitions. Ouais, ou tu peux zigzaguer entre eux et faire le four. Et moi, alors, donc, t'avais Léon qui tenait sa lampe torche avec le flingue, et donc j'ai essayé de les esquiver. Mais c'est tellement bien fichu au niveau de l'éclairage que dès que tu te passes de la lampe torche et que tu essaies de courir, t'as plus de repères en fait. Ah ouais? T'as plus de repères parce que t'es dans l'obscurité la plus totale, et du coup, tu commences à paniquer parce que t'entends les zombies en fait, t'entends le bruit des pas, les cris. Donc, au niveau du son, c'est un truc de dingue, quoi. Franchement, je t'invite à y jouer, et graphiquement, ça tabasse la gueule. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont utilisé le même moteur que Resident 7. Ils ont intérêt à l'exploiter. J'en avais parlé avec le RP de Capcom France. Ils ont intérêt à l'exploiter, ce moteur-là, parce qu'ils l'appellent le Re-Engine, donc le Resident Evil Engine. Donc voilà, je pense qu'ils vont l'exploiter à mort. Et d'ailleurs, c'est les mêmes moteurs qu'ils vont utiliser pour le nouveau Devil May Cry, mon ami. D'accord. Voilà, tu vois, ils vont l'utiliser à toutes les sauces. Donc ils ont vraiment refait le jeu entièrement avec des graphismes d'aujourd'hui, quoi. Ouais, tu vois la pourriture sur les murs, enfin tu vois des trucs de dingue. Tu m'as hypé là, j'ai envie d'aller voir tout d'un coup là. Va le voir, je sais que même si t'es pas forcément fan de Survival Horror, t'as fait quand même le 2 sur PS1, c'était quand même... Si, j'aime bien. Ouais, mais je suis pas aussi expert que toi. T'as peur aussi quand même. Ouais, bah écoute, j'ai quelques angoisses, qu'est-ce que tu veux. Graphiquement c'est ouf. Ils ont pris quand même des marqueurs de la version originale. Par exemple, dès que tu rentres dans le commissariat, tu vois l'énorme statue bleue que tu vois aussi dans la version originale. Donc non, c'est vachement dingue. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que ça reste flippant si on connaît déjà le jeu? Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'ils ont changé les jumpscares? Est-ce qu'ils sont toujours là ou pas? J'imagine que oui, parce que ça reste un remake, ils reprennent la base. Mais est-ce qu'on arrive à être avoir cet effet de surprise même si on connaît le jeu? Alors pour l'instant, les jumpscares, je vais te dire, il n'y en avait pas du tout. Tu voyais des corps, des cadavres qui jonchaient le sol. Donc j'avançais doucement parce que je me disais, je connais le gimmick, le zombie va se relever tout de suite, il va t'attaquer. Là, non. Par contre, j'ai vraiment flippé quand justement, je te parle de cette zone sombre où j'ai voulu les esquiver. Là, par contre, j'étais pas bien parce que tu entendais les zombies se rapprocher de toi. Et à même un moment, y en a un qui a réussi à me croquer la carotide. Ouais. Et là, du coup, j'ai pu régénérer ma barre de vie. Donc là, voilà, tu retrouves aussi tous les signaux, tous les marqueurs de la saga Resident Evil. Le spray est là, l'herbe est là, le flingue aussi est là, tu ramasses des munitions. Tu as aussi le caisson d'armes aussi, tu vois. Tu as aussi la machine à écrire. Donc j'ai essayé d'explorer le plus possible, mais j'étais timé, j'avais 20 minutes. Et je voulais vraiment avancer le plus loin possible. Et en termes de gameplay, est-ce qu'ils ont modernisé justement le système ou on reste sur un truc vachement rigide comme à l'époque? J'ose imaginer qu'ils vont me dire que oui, ils ont modernisé. Ouais, ils ont modernisé. Alors ça reste quand même du Resident Evil. C'est pas, on va pas dire que c'est rigide. On est toujours avec ce système de caméra fixe? Non, du tout. Là, par contre, ils ont pris la caméra de Resident 5 et 6, même 4, donc voilà, à l'épaule. Et je trouve que c'est la caméra, elle est même plus proche du personnage. Donc t'as vraiment cette impression,
sais, que de vivre les choses, ouais. D'immersion, et c'est vachement, vachement bien fichu. Et pour avoir parlé un peu avec l'arbitre de Capcom France, Capcom voulait vraiment éviter l'effet redite, c'est-à-dire de prendre le Resident 2 original et juste de l'améliorer sur le plan visuel. Il y a des séquences, par exemple, mon cousin que tu croises au début du jeu et qui est sur le point de mourir et qui donne une carte qui t'ouvre, qui débloque des portes, et ben là tu le rencontres, mais pas dans les mêmes conditions, tu vois. Donc ils ont essayé de garder certaines choses, mais ils ont voulu aussi revisiter le jeu. Pourquoi? Tout simplement pour essayer aussi d'atteindre le grand public, toi, les joueurs qui n'ont pas forcément joué au Resident 2 original vont pouvoir se retrouver quand même. Mais il y a aussi le fan service qui sera de rigueur. Et du coup, ceux qui ont joué à l'époque sur PS1 vont pouvoir reconnaître certaines choses. En fait, tu me dis qu'effectivement, en changeant la caméra, c'est plutôt malin de leur part, parce que en plaçant cette caméra près de l'épaule, en fait, ils redéfinissent le jeu. Parce que même si tu connais le jeu original, comme le jeu d'origine avait des plans de caméra fixes, ouais, le fait d'avoir la caméra maintenant qui suit le personnage, t'as cette sensation de nouveauté en fait. Exactement, et moi je craignais justement qu'ils ne reprennent pas la vue FPS, parce que quand on avait joué à Resident 7, on s'est dit non, mais c'est le nouveau standard pour Resident, la vue FPS. Et en fait, comme tu dis, ils ont tellement... Tu peux switcher en vue FPS ? Alors là, non, visiblement non. Tu peux pas. Tu restes toujours en vue à la troisième personne au-dessus de l'épaule. Ouais, ouais. Mais c'est tellement bien fichu que l'immersion est totale. Et pour revenir un peu sur les mécaniques de gameplay, donc tu peux tirer, t'as la localisation des dégâts sur les ennemis. Donc quand tu tires sur les jambes, tu vois déjà le bout de vêtement qui va se déchirer. Ah ouais, ça c'est vachement bien fichu. T'as le sang qui va couler, et t'as aussi le genou qui va commencer à trembler en fait. Et donc t'as le zombie qui va commencer à boiter. Et quand sa jambe va complètement être pulvérisée, parce que tu vas insister sur la jambe, il va ramper, il va quand même chercher à ramper pour essayer de buter, quoi. Ça c'est vraiment énorme. Et t'as aussi un truc qui est sympa, c'est que j'étais dans une espèce de couloir sombre et obscur. T'avais une fenêtre qui était ouverte. Et donc, visiblement, tu pourras ramasser des planches de bois pour barricader en fait. D'accord. Barricader, et du coup, les zombies ne pourront plus rentrer. Et au loin, j'ai vu un zombie qui était derrière une fenêtre, donc je me suis dit, tiens, je vais tirer sur la fenêtre pour voir. Ah bah tiens, il y a un pote qui... Ah putain. Alors, tu le tarras. Ah, il m'a eu l'enfoiré, putain, tu m'as prévenu. Fantastique. Ah voilà, il a sauvé la vidéo, on est en train de s'endormir. Et tu demandais un jumpscare, t'en as eu un. Ne passe pas ça au ralenti, Boris. Putain la vache. Ok, trop d'émotion, on va couper la vidéo, on va finir. Bon, merci pour tes infos, Laurie. En tout cas, j'ai kiffé et t'as intérêt d'y jouer, mec. Mais moi, je suis hypé, j'ai demandé justement à Cyril de Capcom France, il peut pas me trouver un slot parce que j'ai envie de le découvrir. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de ces vidéos. Merci aux zombies d'avoir dynamisé cette vidéo impression sur Resident Evil Remake qui, je vous le rappelle, sortira, donc c'est au mois de janvier 2018. Le 25 janvier 2019. 2019, pardon, ouais. 2019. Sur PS4, Xbox One. Ouais, et PC. Et PC aussi, voilà. Bon, tout le monde sera servi. Merci encore. Restez bien surconnectés. Restez bien. L'émotion. Il se fiait dessus. Restez bien connectés sur Jeux Actu pour d'autres vidéos depuis Los Angeles pour le 3 2018. À très bientôt. Oh mon cœur, j'en peux plus. Ciao.